Bienvenue dans les leçons de Bruce Granek sur la Coca-Cola Zero Gaming Zone. Aujourd'hui, on a mis les cuirs. En mode cuir. Ouais, en mode cuir, tranquille. Comme le ballon d'ailleurs. Ouais. Mais qu'on va pas toucher aujourd'hui puisqu'on va rester dans les menus avec une des nouveautés de ce FIFA 15 qui est bien utile et tout le monde ne l'a pas encore repéré. Non, il va te permettre de gagner énormément de temps. Donc en fait, il est maintenant possible de sauvegarder sa composition. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le menu personnalisé, donc dans le menu de base. D'accord, ouais. C'est vrai qu'on va pas nécessairement jusque-là, souvent. Non, ouais. En général, on veut jouer et puis voilà, on se prend pas la tête, mais au final, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et à chaque fois, on fait sa compo, ouais. Et là, maintenant, en fait, on peut la faire une bonne fois pour toutes. C'est ça. Donc, en fait, après, il suffit d'aller dans le sous-menu composition d'équipe. Ouais. Là, tu choisis ton équipe, donc là, la Saint-Etienne, c'est parfait. Mm-hmm. Et là, on peut voir qu'on peut ajouter des nouvelles compos. Il y a celle par défaut de Saint-Etienne, mais on voit qu'on peut en ajouter des nouvelles. D'accord, vas-y. Donc, tu peux la renommer. La compo à Bamar. Ouais. Ouais. Oh, vas-y, on va mettre BAM. Allez, BAM, c'est ouais. Bon. Sinon, on va mettre 10 piges pour mettre le 1. Ouais. Ça va prendre plus de temps de faire la compo. Donc, BAM. Et puis là, tu fais tous tes petits changements. Donc, par exemple, tu mets, tu mets Molo sur le côté. Ok. Tu mets Gradel. Touche pas à Ruffier, là. Il est chaud. Là. Ouais. Tu changes le dispositif, admettons. Mmh. Bon, bref, on teste. Hein. D'accord. Ça fait 4-4-2. Tu peux même faire les instructions. Bref, tout. Tes choix de tireur de pénalty, vraiment tout. Génial. Comme les menus d'avant-match, en fait. Une fois que tu as fait tous tes réglages, donc tu appuies sur B, tu reviens, ouais, ouais. Tu mets oui, histoire que ça sauvegarde ta compo quand même. Donc, tu attends. Voilà, et donc là on voit qu'elle maintenant elle est stockée ici et tu peux en ajouter d'autres. Hein. D'accord. Ouais. Je n'ai pas essayé, mais tu peux en ajouter à mon avis énormément. Quoi. Alors donc, attends, excuse-moi, avant de retourner au menu, importer composition, c'est. Ça, je ne m'en suis pas servi à mon avis, c'est que tu peux la sauvegarder. Genre sur une clé USB, un truc ouais, comme ça. Ouais, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ok, ouais, genre si tu arrives chez un pote ou peut-être ouais, sur le avis, réseau. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, je vais t'avouer, okay, je n'ai pas testé à mon avis, c'est ça. Et donc une fois qu'elle est sauvegardée, bon bah là, tu quittes et tu vas faire ton match tranquillement. Alors, par exemple, voilà, jouer. Donc là, forcément, tu prends Saint-Etienne. Ouais. Je prends Saint-Etienne-Lyon, on va bien faire les choses. Mm-hmm. Voilà, hop. Et c'est maintenant que ça, c'est ici que ça se passe. Regarde en bas. Si avec tu le regardes, stick droit. Voilà, tu as écrit RS. Et on voit qu'il y a une deuxième composition. Donc, il te suffit de faire un coup de stick vers la droite. Et là, tu as ta compo qui charge avec tous tes changements. Bam. Et donc là, tu n'as plus qu'à mettre jouer match. Génial. Et il faut savoir que ça marche aussi en ligne. C'est quand même ça qui est super cool, c'est vrai quand t'as pas à ressortir à chaque fois. Bah à chaque fois, ouais. Ça revient au changement d'équipe et t'as tout à refaire depuis le départ, alors qu'avec ça, bah t'as juste à mettre ton petit coup de stick droit. Bah voilà. Et c'est terminé, et tu peux en stocker autant que tu veux. Voilà une leçon facile à retenir, mais c'est simplement un truc hyper pratique. C'est vrai que bah, moi perso, je l'avais pas encore identifié ce menu et je suis tout le temps en train de rentrer dans les menus et donc de perdre du temps. On peut maintenant donc sauvegarder ses compositions, ses tactiques, ses stratégies, tout ça dans une formation. Que vous appelez comme vous le voulez et vous l'appelez au bon moment. Merci beaucoup. C'est ça. Merci écoute, beaucoup, Bruce. C'est bien pratique. On se fait quand même un petit match. Vas-y, c'est parti. Hein, ouais. Je sais que t'es chaud. Vas-y. Ça va être chaud. Saint-Etienne contre Lyon, c'est le classico du Rhône. À bientôt, mec. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.